C'est ce souvenir fugitif du Gers au début, où on était vraiment misérable et miséreux. Et puis c'est le retour à Mardigny avec la moitié du village démoli, dont la maison de mes parents. Mais mon père ne voulait surtout pas que ses enfants soient germanisés, parce que c'était la crainte qu'il avait. Comme nous étions, ma sœur aînée avait 14 ans, moi 11 ans, on était des proies faciles pour les nazis. Mon frère, il y avait beaucoup de monde sur les routes qui prenaient le même chemin. Et paraît-il, j'ai pleuré pendant tout le long du trajet parce que j'avais peur. Et ma mère aussi avait peur, et dès qu'elle voyait des flammes quelque part, elle craignait qu'on soit bombardé, quoi. Il y avait une angoisse réelle.